Francesco Bolingoya, le grand combattant, il est là juste pour vous dire, pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux, Francesco. Coup de chapeau à tous. En tout cas, merci vraiment à la Francis, c'est plus que Bolingo. La façon où Bounira Mboukanayo, vraiment, tu es un patriote. Toi, le micro, il y a Francis plus que Bolingo, Babi, qui est Francis plus que Bolingo. Sans y est vraiment Mawatro, bah, image et Zalaté. Bonjour à tous. Il est 6h du matin, 5h30. Je me suis levée avec une folle envie de rendre hommage à ces femmes qui quittent leur maison à 4h pour aller chercher du pain et nourrir leur famille. Je ne sais pas, mais j'ai pensé à elles. On célèbre le mois de la femme, la journée internationale de la femme, sans pour autant mettre en avant-plan toutes ces femmes qui travaillent pour que leur famille puisse survivre. Celles qui sont dans les salons huppés, ok, rien à faire. Mais que faisons-nous de ces femmes qui sortent à 5h du matin? J'ai moi essayé de faire cet exercice, sortir de chez moi à 5h et voir un peu comment ça se passe dehors. Mais je vous assure que j'ai eu très peur. Maintenant, imaginez qu'une femme sorte très tôt matin de chez elle pour aller chercher du pain et nourrir sa famille. C'est formidable. Une mère comme ça, ça s'appelle héroïne. Elle est exceptionnelle. Et moi, si j'ai une maman comme ça, je donnerai tout pour la garder. Tout, alors tout. Bah écoutez, j'ai regardé, j'en ai vu une par là. Bonjour. Bonjour. Voilà. Voilà celles qui sortent le matin, les plus courageuses. Voilà. J'en rencontre. Elles sont là. Elles sont là. Vous les avez vues? Les deux là. Voilà. Elles avec leur sac, leur pain. Oh là là. Moi, j'ai beaucoup de considération pour ces femmes-là. J'ai vraiment essayé, j'ai voulu faire cet exercice, mais je n'y arrive pas tellement que j'ai peur. Mais comment elles font pour braver la peur, l'insécurité, les koulounas qui règnent à Kinshasa? J'ai pensé à elles, j'ai pensé à ma grand-mère qui a élevé ma mère parce qu'elle vendait du pain. Et ce matin, je voudrais dire à ces femmes que j'ai beaucoup de considération pour elles. Et donc, nous sommes ces femmes, nous nous battons pour elles. J'en connais qui se battent pour ces genres de femmes. Vous voyez, il n'y a personne. Alors personne, c'est une peur qui m'envahit. Mais ces femmes, elles les font tous les jours. Congo, Congo de nos ancêtres, travaillez pour l'intérêt de la nation, chers politiciens. Je me suis réveillée comme ça, comme je l'ai dit, avec cette folle envie de rendre vraiment un vibrant hommage à ces femmes. Et j'ai dit que je vais essayer de sortir comme elle. Mais j'y arrive pas. Un koulouna peut m'attraper et me ravir le téléphone. Mais comment elles font ces femmes-là? Mon frère, tu as une mère comme ça. Ma soeur, tu as une grande soeur comme ça. Tu as une tante qui vend le pain, qui sort le matin pour aller chercher le pain à la boulangerie. Tu lui dois beaucoup de respect et beaucoup de considération. Quand elle rentre à la maison les soirs, on doit lui servir à manger. On doit lui faire ce qu'elle veut. Une femme comme ça, ça se néglige pas. Ça s'appelle héroïne. Et moi, je pense à elle. Je vous dis beaucoup de respect et courage dans ce que vous faites. Un jour, vous récolterez les sacrifices que vous faites aujourd'hui pour votre famille. Parce que je ne pense pas qu'elles les font pour elles-mêmes. Elles font ça pour leur famille. Mais bon, puisque la distribution des richesses du Congo se fait de manière inéquitable. Voilà. Il y en a qui vont subir, qui vont faire le frais, comme on dit. Et moi, j'ai pensé à ces femmes-là. Maman, tantine, grand-mère, grande sœur, je vous aime beaucoup et continuez. J'en vois là-bas qui passe au coin. Mais je n'ose même pas arriver là-bas tellement que j'ai peur. Je voudrais bien essayer. Je voudrais bien arriver jusqu'au coin. J'aimerais bien aller chercher une femme et lui poser cette question. Depuis combien de temps elle fait ça? Oh, mais voilà. Essayons d'aller au coin. Essayons d'aller chercher une femme qui passe avec son panier. Voilà, je vois qu'il y a déjà deux, trois mouvements. Il y a un voisin. Voilà. Et j'aimerais un maximum de commentaires. Bonjour. Bonjour. J'aimerais que tout celui qui reconnaît que dans sa famille, il y a eu au moins une femme
qui est sorti tôt le matin pour aller chercher du pain partage cette vidéo. Vous imaginez? Je vois beaucoup de gens m'appeler inbox. Rachel ne sort pas. Rachel ne sort pas. Pourquoi avez-vous peur? Mais alors, et toutes ces femmes-là? Comment on a grandi? Et nos parents ont été élevés comment? Grâce à ce commerce. Mais alors, elles prennent beaucoup de risques. Et personne ne les protège. Elles sont exposées à tous les risques. Mon Dieu, qu'est-ce que je les adore, ces femmes-là. J'ai essayé, moi, de couper mon sommeil et d'aller à la rencontre d'une femme. Voilà, il y en a une qui va là-bas. Oh. Toi qui as eu la chance de travailler dans un bureau, faut pas négliger les autres. Tu vois le travail? J'ai été inspirée dans la nuit. Je me suis réveillée, j'ai dit, je vais chercher une femme comme ça. Alors toi qui portes des talons tous les jours, toi qui te maquilles, toi qui trouves facilement 100 dollars, il ne faut jamais négliger les autres. Parce que tu as vu, Dieu t'a fait grâce. Mais alors cette grâce-là, il ne faut pas t'enorgueillir. Hein? Ouais. On a Eza Wapi, Eza là où je suis. C'est à Kinshasa toujours. Et voilà. C'est où je suis. Malheureusement, la voisine qui allait chercher du pain est passée. Sinon, j'attendrai la prochaine. Voilà. J'attendrai la prochaine. Pour. Elle est partie chercher du pain. Voilà, elle est passée. Je ne peux pas la rattraper, malheureusement. Elle est déjà partie. Vous voyez ce que ça fait, hein? Tiko, toi, tu as une mère qui vend le pain aux eaux négligées. Parce que, comme ils m'ont dit, tu la négliges parce que hein, tu habites maintenant une grande maison, une villa. Tu négliges ta mère. Tu la considères pas soi-disant parce que tu as épousé une belle femme du monde. Et c'est elle qui bénéficie de tous les avantages possibles. Oh là là, c'est méchant de votre part. C'est très méchant. Ces femmes comme ça, il faut les considérer. Ouais. Je cherche une autre femme. Ce genre de femmes, il faut les considérer, vraiment. Il faut les aimer, il faut les encourager. De temps en temps, moi 10 dollars et ça là, moi bien. Oui, Mars, to l'embi babio. To l'embi babio. Bonjour. Bonjour. Oh, panier lipa. D'accord. Voilà, il y a une qui arrive là. J'aimerais juste la voir. Juste la voir en interview. Si elle va accepter, on va essayer de lui dire bonjour. Essayons quand même. Mon amboué. Azanae. Tous mes cacacs. Mère, bonjour. Hein? Bonjour. Bonne nuit. Merci beaucoup pour Annie. Merci beaucoup pour Annie. Obi que na la muki tongo na miki ko sande bino busala na ko kitta yam ka erni. Olam ka erni te lo baka sina filmi. Bon lo baka sina ka erni. Mo ebi ko courageuse hein. Ozana bana hein. Zamba pambola oyaya. Bonjour. Voilà. Elle est timide, elle veut pas de la caméra mais bon, vous avez entendu hein. Alam ka 5h pour azana bana. Donc Ndeko, Ndeko, Znavi, hein, ça c'est simple. Tu vois, parce que grâce à Nzambasali, on est qui m'outoune l'autre. C'est une belle femme, hein, vous ne l'avez pas remarqué, hein? Elle a des formes, des rondeurs. C'est une vraie Congolaise, quoi. J'imagine qu'à Moulouba. Lol. Mais bon, on appelle la Zongi Nangai, ou Lala. R. Monkoboué, on se retrouve, hein. Alors, bon respecter Bango, hein. C'est-à-dire que son maman lipa et pas maman lipa, qu'on manque à respect. Ok. Parce que tant que yo la kaya la mkana tongo, à qui vous soit lipa pour que yo au melati. Donc, maman modèle Luana, il faut considérer ma case. Bon, moi, je suis bon, Rachel, kendo la. Oui, mas nde basiwana nde fo, Bango nde ba comprendre. To aider Bango. Vous allez comprendre. C'est-à-dire la femme. Oui, ma soeur, tout petit camarade, ma ministre, a bien si bien à bureau, vous voyez, vos fans, vos mêlis, vos liés,
Boki États-Unis pour assister à un colloque sur une conférence et puis après Boki Mikuna Mangulu. Ridicule. Voilà, oui Mars. Les femmes qu'on doit associer dans le combat, ce sont ces femmes-là. Qui pense à elles? Après demain, député Koya ou non, maman Zwali Puta et puis après à Kiminaï. Zomon. Donc voilà quoi. Très bon début de semaine. Et on est ensemble. On lutte pour. Voilà. Bisous. Ah bana Congo. Et ça passe, Kozan à Francisco Bolingo, ça passe. Yango Bolingo, Tikalaka, Oumela, Pona RDC, ah Francisco Bolingo. Mais moi, je suis Nicolas, tu es là. Ingeta, Francisco, plus que Bolingo. Ozana Congo, vraiment, Nzambe, à couper ça, à correspondre. Oh,